together performing arts with local culture and language. And I'm like, that sounds really good. I was so excited. So I asked her, she was at this summer camp, I said, I was over at Cité des Arts, and I asked her, I said, would you mind if I just came by just to be there and maybe help out? I'm not looking for a job, I just want to come, I want to see what you're doing, you know? And as a result, I loved it, and we enjoyed working together, and it's been years now. And Theater Acadie has done many different things. We've had summer camps, we've had classes for different ages, we've performed in Cité des Arts, we've performed in different theaters downtown, and we also, this has become our new home here at Wonderland. And one of the things I have to say is that working with Theater Acadie is actually, for me, it's the ultimate in my creative expression, and I think it's a wonderful creative expression for kids, because it's able to explore who they are as individuals, as actors, as human beings, and to explore this culture that we come from and the various aspects of this culture. So you're going to see something really wonderful today. So as she said, you're going to see a performance in two parts, right? And the way we did the interview. We interviewed Chief of the Avogel tribe, and we also interviewed Becca Begnaud, who's a traitor. They both were planning on being here, but Becca got offered a free trip to France. I'm going to excuse her. And Chief, this is son's graduation, right? His grandson's graduation. So, as all of us, we always have commitments. But they were wonderful. They did a wonderful class with the kids. And the kids came together with this, put this play together. The way we did it was, okay, what are the key events in their lives? So, who are the characters? What should we do with it? How are we going to make it interesting in a short play format? And now what you're seeing is a fictionalized version. You know, it's not exactly exactly what's happened, but they put together their life to give you the essence of who these people are in their culture. And you're going to see in two parts, we'll have a little kind of, after the chief part, we'll have a little time for us to kind of change sets a little bit, and then you'll see the second part better. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. De Notre Monde by the wonderful students of Theater Acadie. Les Histoires de Notre Monde. Dans la Louisiane, il y a beaucoup de monde qui vient de tout partout. De la France à l'Afrique. De l'Acadie à Palan d'ici. Ils sont tous venus avec des traditions et des histoires, des temps durs et des espoirs. Mais le premier monde qui sont venus ici sont vraiment des Amérindiens. Mais ils sont vraiment des Chitimacha, des Chakta, des Ataka, des Zuma. Et il y a aussi des monde qu'on appelle des Avogel. Voici un chef des Avogel. Mais ici, il est un maître d'école qui enseigne le français. Allons dans sa salle de classe. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, et toi? Très bien. Toi, cher, comment tu vas? Pas trop bien ce matin. Je voulais pas me réveiller. Je me rappelle quand nous autres petits gens, on a dit un prière au soleil levant. Ça, c'est comme quelque chose de tribu indien, mais je suis un amérindien. C'est vrai? Je suis une chef de tribu. Vraiment? Oui, pour ma mère. Vraiment? Wait, un chef? Wait, une femme? Un chef de tribu? Oui, chez nous, les hommes et les femmes sont traités d'une façon égale. Différent pour nous, mais les mêmes droits. Oui, pourquoi tu enseignes français si tu n'es pas français? Chez nous, on parle de français et notre football. Les français nous appellent les Avogel, mais chez nous, Pasteur, mais oui, sa mère était chef des Avogel. Et à ce temps, on va faire un petit voyage dans le passé, dans les Avogel, pour apprendre la vie des Avogel. Yeah.
Un jour, elle raconte une histoire d'un prêtre catholique. Il raconte l'histoire du bon de l'Église, du bon Dieu, du commandement de Jésus-Christ, du commandement de Dieu, et de comment il faut aimer tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, on connaît tout ça. C'est la créature et tout l'esprit. Allons joindre pour prier et célébrer quand on le fait. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter. Par exemple, qu'est-ce que les aveugles font quand il y a une dispute? Si un vrai bataille arrive, on donne de manger à chaque combattant pour être sûr que chaque côté est fort. Chilling.
Allons chercher un serviette trempe et un verre d'eau. Je vous balance. Va chercher ton grand-père. Et mets ton chapeau. Le sol est fort aujourd'hui. Ouais, il est têteur. Et ce jour, il y a un grand fête ce mois. Garde-nous ça, qui va arriver? Oh, ma chère Becca, tu te sens pas bien, hein? Non, pas du tout. Ça va aller, pas plus, cher. Ça va bien, ça vient. Un bon temps de reste. Venez égaliser votre enfant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je me sens un peu mieux. Je pense que ça va être OK. Merci, papa. Et on t'a appris comment faire ça. Une dame dans mon voisinage qui était traitée, je m'ai appris. C'est qu'il y a pour traiter. Tu connais Becca? Peut-être que ton grand-père peut te montrer comment traiter. Et ça, c'est qui est arrivé. J'ai eu la chance de traiter une tas de monde de ma vie. Et pas juste de monde. Garde-nous ça. Très importante chose de ma vie. Et je aussi aime danser. Allons regarder plus tard dans ma vie. Oui, comme le monde de la Louisiane, soit Cajun, ou créole, ou amédienne, ou n'importe qui. Moi, j'aime beaucoup danser. Et j'aime la chance d'aller sur un game show en français.
Alors regardez. J'ai passé mon ouvrage à un jeune homme et lui a traité. Merci, bon Dieu. Allons chanter.